Salut à tous les amis, c'est le Hantouplay, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Prison Architect, oh yeah! Et aujourd'hui, encore un problème, mais cette fois pas vidéo, non, c'est audio. Voilà, je ne sais pas pourquoi, encore une fois, mon micro s'est mis à péter un câble, et ma fin d'enregistrement complètement pourrie, complètement saturée, ce qui fait que je suis obligé de... Enfin, j'ai pas refait la vidéo, hein, j'ai pas eu la foi. Hein. Ce que je fais, c'est que là, je commente pour une fois, mais pas en jouant. Hein, je ne suis pas en direct, pour tout vous dire. Mais en tout cas, ça va pas être trop compliqué à commenter, vu ce que j'ai fait. En tout cas, le gros problème qui reste là, sur cette prison, encore, c'est la bouffe, hein, tout simplement. Vous allez voir que je vais faire pas mal de changements, je vais expérimenter des trucs, en tout cas. On va aussi avoir l'arrivée de nouveaux prisonniers. Je crois qu'on a un peu plus d'une trentaine. Mais c'est compensé avec ceux qui sont remis en liberté. Donc au pire, voilà, on n'a pas une croissance de ouf, on va dire. Hein. Je pense que ce que je vais faire dans les prochains épisodes, c'est que... Je laisserai tourner le jeu pendant quelques jours, enfin dans le jeu bien sûr, hein, quelques jours du jeu, pour accumuler pas mal de fric, comme ça on pourra enfin commencer à construire d'autres trucs, à agrandir la prison vraiment, histoire que ça devienne un peu plus intéressant, parce que là c'est vrai que ça stagne depuis quelques épisodes, donc le mort qui veut toujours pas se casser, hein, comme vous pouvez le voir, c'est une horreur, les cuisiniers qui préparent la bouffe tranquillou. Alors là, je sais plus exactement quand... Ouais, là il me semble que je vais voir. Là, c'était en setup 1000 quantités médium et variété médium. Je crois que ça ne marche pas super bien lorsque je vais faire... Voilà, c'est que je change la quantité en low et la variété, pareil, je crois, ou en high, je sais plus, je me rappelle plus. Je sais plus exactement ce que j'ai fait. Je viens de le voir, je sais, mais c'est passé tellement vite que je m'en souviens plus. Enfin voilà, ça va être un épisode un petit peu bizarre, vraiment. J'ai jamais fait ça, commenter, mais pas en direct, voilà, pas en jouant. Juste après avoir tourné la vidéo, ça fait bizarre. Non, parce que je peux vraiment pas être tranquille, hein, c'est... Non. Tiens, d'ailleurs, je viens de... Oh, je viens de remarquer un truc, la shower du milieu. C'est pas complète, elle est pas complètement marquée comme une shower. Le milieu n'est pas compté dans en tant que pièce. Ça va falloir que je change. Bah j'irai de ce pas justement. Bon vous voyez par contre c'est vraiment con quoi le fait que l'enregistrement audio est bugué. Ça m'était jamais vraiment arrivé hein, pour je sais pas pourquoi là Audacity a pété un câble. Ça a peut-être bugué au moment où j'ai changé dans les options la qualité audio, bref. En parlant d'audio d'ailleurs, j'ai commandé mon petit cadeau de Noël, enfin mon gros cadeau de Noël, pour ceux qui veulent savoir, c'est un nouveau micro, un Audio Technica AT2020, très très bon micro, très bon rapport qualité-prix, voilà, donc Audio Technica, bon, c'est une très bonne marque. Le seul truc c'est que j'ai hésité pendant un petit moment entre micro USB ou micro alimenté par l'intermédiaire d'un petit préampli de 48 volts. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai vu que il y avait un bundle avec justement le micro que je voulais, avec le câble XLR, avec un préampli, avec un antipop plus un pied pour quasiment le même prix que le micro USB tout seul. Alors j'ai pas hésité. Micro USB avec le bundle, le pied, l'antipop, tout le bordel, le préampli, le câble XLR. Ce qui fait que je pourrais l'utiliser bien sûr pas que chez moi, en studio aussi pour la musique, puisque je fais de la musique avec mes amis comme je l'ai sûrement dit un jour. Ce qui fait que s'il y a une table de mixage, voilà, je pourrais m'en servir. Notamment aussi pour les instruments, voilà. Donc ce sera plus pratique. Alors que l'USB, voilà, il faut vraiment un ordinateur à proximité, et ce qui n'est pas toujours le cas finalement. Donc, d'autant plus que avec le petit préampli, ce qui est sympa, c'est qu'on peut rajouter des effets manuellement via le boîtier carrément physique. Hein. Genre des petits effets de reverb et tout. Et le point le plus important aussi qui caractérisait ce micro, c'est qu'il y a... Enfin, non, surtout le préampli finalement, c'est que le souffle était très 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 faible. Donc c'est vraiment ce que je recherche. Moi, je veux absolument
pas de bruit de fond. Je veux un son très clair, très très net, sans bruit de fond. Bon, là, j'arrive encore à limiter avec le micro que j'ai là. Avec Audacity d'ailleurs, mais petite anecdote concernant le micro que j'utilise actuellement, le petit micro sur pied Sony. Moi je crois que c'était un petit micro genre allez 40 euros, voilà, que mon père avait acheté il y a hyper longtemps, puisque ce micro est vieux, il date du début des années 2000, il est encore vendu. Hein. C'est un très bon micro et au final j'ai regardé sur le net et il coûte 150 euros, d'accord. Voilà. Sauf qu'il n'est pas fait pour le même usage, c'est-à-dire le broadcast. Lui, il est plutôt fait en fait pour les prises instrumentales comme la batterie, la guitare, ce genre de choses. D'ailleurs, je viens de le découvrir. Je vais pouvoir m'en servir pour enregistrer la batterie d'ailleurs, puisque je suis batteur. Mais bon, voilà. J'arrive à avoir un son tout à fait potable avec. Mais bon, c'est pas fait pour ça. Et puis, l'Audio Technica, je pense que ce sera vraiment sympa. Puisqu'on aura un anti-pop, un pied. Je pourrais le placer comme je veux. Ce sera beaucoup plus pratique pour jouer. Parce que là, si vous voyez comment je suis avec une pile de jeux vidéo, avec le micro posé dessus. Ah, c'est un peu chelou, hein, vous voyez, il n'y a pas d'autre mot, c'est chelou. En plus, je suis obligé de me baisser un petit peu, vu que le micro, il est incliné, mais voilà, il n'est pas incliné à 90 degrés non plus. Non, vous voyez, ce sera vraiment plus pratique pour les vidéos, ce sera de meilleure qualité. Pareil, en ce qui concerne l'intro, j'ai une idée, je vais m'y coller ce soir, je vais tenter de reproduire l'outro, j'ai pas tout à fait encore planché dessus, mais plutôt l'intro, mais l'outro sera pas compliqué. En tout cas, vous aurez une outro. Un intro fluide, bien réalisé, tout ce qu'il faut d'ici les vacances de Noël. Aussi, alors en ce qui concerne Black and White 2, alors pas mal d'entre vous me demandent quand est-ce que tu reprends. Alors le plus tôt possible, j'aimerais, mais en fait, je me rends compte que peut-être je vais peut-être pas pouvoir installer les mods finalement, puisque j'y arrive pas. J'ai testé tous les mods que j'ai téléchargés, ils marchent pas. Voilà. Alors si vous y connaissez, si vous avez déjà testé d'installer des mods et que vous avez réussi, bah alors n'hésitez pas parce que là moi j'y arrive pas. Donc je pense que je vais tout simplement, on va refaire le jeu mais en gentil. Ou alors alternative, comme vous voulez, on peut faire l'extension Battle of the God, il me semble, mais en gentil. Voilà, comme vous voulez, soit on se refait le jeu en gentil avec une autre créature. Et après on se fait l'extension, ou alors on se fait carrément l'extension tout de suite mais en gentil. Voilà. Alors à vous de décider, dites-moi ça dans les commentaires ou sur Facebook ou sur Twitter. Puisque je le rappelle, j'ai ouvert, enfin je suis sur ces deux plateformes dorénavant. Voilà. Donc pour Black and White, on va voir, je vous tiens au courant. Bon, revenons-en un peu à Prison Architect, parce que c'est vrai que là, je parle, mais je parle d'autre chose. Donc c'est alors du boulot, ils bossent bien, enfin, on dirait pas vraiment qu'ils bossent bien, là. Si, ça va. Ils produisent la masse de plaques d'immatriculation. Et d'ailleurs, je remarque juste à gauche qu'on a nourri 98% des prisonniers, c'est plutôt pas mal. Sauf que on a une espèce de proportion de prisonniers non satisfaits, c'est incroyable, là, j'ai l'impression, en fait. C'est parce que depuis le temps qu'ils sont pas bouffés. Le truc, c'est que je me suis rendu compte après que j'avais enlevé, voilà. J'ai enlevé une heure, en fait, j'ai que 2 heures pour bouffer. Enfin, non, 3 heures, mais je veux dire matin et soir. J'ai pas mis le midi, je l'avais enlevé dans l'épisode précédent. Voilà, ce qui fait que c'est un petit peu con. Et qu'ils ont la dalle toute la journée. On va voir ce que ça donne là ce soir. Et ils arrêtent pas, hein, avec leur vol là, dans les cuisines, les cuillères là. Ça va plus là. Bon, performance, ouais, très 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 bof. Même carrément à chier, ouais. 38%, c'est pas assez, bon. J'ai limité les dégâts, j'ai limité les bastons, vous voyez, il n'y a pas vraiment de danger pour l'instant. À ce que je sache, hein. Normalement, il n'y a pas de soucis. Voilà. Tac, et regardez-moi cette prison comme elle est belle. D'ailleurs, on va l'agrandir d'ici peu, hein. Mais il me faut de l'argent, il me faut des fonds. C'est pour ça que je vous dis, je vais laisser tourner le jeu un moment assez longtemps, du genre 6-7 jours. Sachant qu'on gagne à peu près tous les soirs, on gagne environ, allez, 9000, ouais, quelque chose comme ça. Un peu plus, ça dépend si les prisonniers ont la foi au boulot, quoi. Et qui nous produisent beaucoup de plaques d'immatriculation, j'arrive à le dire. Voilà,
Voilà, par exemple, là, on a gagné, pas mal d'argent. Ouais, c'est vrai que là, on avait gagné pas mal quand même. Si je fais bien le calcul, ouais. Presque 13 000. Ou alors, j'ai pas bien regardé. Oula, je sais plus là. Là, ce problème audio, là, ça m'a juste gonflé là. Hein. Déjà que la semaine dernière, Action, il me cassait les couilles. Et voilà, ça recommence. Mais tiens, d'ailleurs, en parlant d'Action, je vous ai pas dit, mais je tourne en 30 FPS en ce moment même. Parce que voilà, je vais encore vous raconter ma life et mes problèmes. Mais bon, j'ai remarqué que sur YouTube, la qualité des vidéos est vraiment mais bof. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pixelisé. Alors que pourtant, je fais un rendu d'une qualité absolument exceptionnelle. Enfin, voilà quoi, très très bonne qualité. C'est pour ça que ça met 30 ans à upload et que je vous sors les épisodes à minuit parce que ça met toute la journée. La qualité est top sur mon ordi, elle est juste magnifique. Mais le problème, c'est que je crois que c'est ça. On va tester, on verra bien avec cet épisode. Hein. Le truc, c'est que c'est tourné en 60 fps, sauf que le lecteur YouTube remet en 30 fps. Alors, c'est peut-être ça qui fait que ça pixelise, les images sont pas bien calées ensemble. Voilà, ça peut créer un dérèglement. On va voir ce que ça donne là. Avec le même rendu, la même qualité. Et si c'est ça, bah alors je vous ferai en 30 fps. De toute façon, c'est quasiment le... Bon, c'est fluide aussi, hein. Sauf que la 60, c'est encore plus fluide. Mais il y a quand même une méthode. Si je ne me trompe pas, pour tourner en 60 fps, faire un rendu 60 fps, la mettre sur YouTube en 30 fps, mais quand même que vous ayez l'impression que ce soit en 60. Enfin, qu'il n'y ait pas les pixels dégueulasses. En gros, faut désentrelacer les images, d'après ce que j'ai vu sur les options YouTube, là. Sur quelques tutos sur YouTube, mais voilà, je vais me renseigner. Mais pour l'instant, là, ça va être un épisode test 30 fps. Voilà, avec un rendu 30 fps, tout ce qu'il faut, et avec une qualité toujours optimale. Parce que faut pas croire, mais les fichiers ils pèsent 3 gigas, 5, 4 gigas. Et vous me demandez souvent, mais putain, mais tu sors tes épisodes à minuit? Bah ouais, je les lance à 8h, ils finissent à 19h. Et au début, j'ai pas forcément la foi de faire la description dès que je rentre. Vous voyez, ça met vraiment de temps, c'est pour ça que des fois je tarde un peu, je m'en excuse hein, d'ailleurs, mais bon. Des fois c'est chiant quoi, hein, d'avoir une connexion pas très 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 rapide. Voilà. Au résultat, mon ordi tourne toute la journée. C'est un petit peu... bon. Un petit peu chiant, ouais. Mais bon, au moins vous avez une qualité de fou furieux, et puis en plus avec le micro, le nouveau micro qui va arriver d'ici peu, là ça va être le top du top. Et les petits visiteurs qui se ramènent, enfin les petits... Ouais, ils sont pas mal d'ailleurs, c'est assez étonnant. Hein. Je me demande si vraiment... ils voient leur famille, les prisonniers. Et là, oh putain, 23 prisonniers... Alors non, si 23 ou 27 prisonniers, je ne sais plus. Alors là, ils sont arrivés par pack de 3. 3 fois 8, 24 et 1, 25. 25 prisonniers, normalement, si mes calculs sont exacts. Et voyez, on a pile de quoi les accueillir, hein, en comptant ceux qui sont libérés. On est à 122 de capacité et 121 prisonniers, ouais. C'est nickel, hein, finalement. C'est parfait. C'est parfait. Alors là, c'est toujours l'heure du repas. C'est l'heure fatidique. Bon, là, ils ont même pas eu le temps de bouffer. Regardez, 5%, ça, catastrophe. J'ai changé 1000 quantity, là, et 1000 variety. Bon, bref, là, je fais des réglages. C'est un petit peu la merde. Ce que je fais, mais bon. Ouais, c'est pas très grave. Bref. Bon, alors là, je sais plus trop. Genre trop quoi dire. Ah, baston. Ouh, si j'avais pas vu. Ah bah, ah oui, alors ça m'avait fait marrer. Le mec s'appelle Frost et il est blanc comme un linge. Le petit clin d'œil qui tue. Par contre là ça va être le jour des bastons. Le danger est à peu près à 7 barres si je vois correctement. C'est toujours problème de bouffe, hein. Y a pas de miracle. Problème de bouffe. Ce qui fait que les prisonniers high risk en profitent pour semer le trouble parmi... Enfin semer la zizanie parmi les autres prisonniers qui eux s'en donnent un cœur joie ensuite, hein. Et puis après voilà. Les émeutes. Bon heureusement là il y a eu 2-3 incidents. Vous allez le voir d'ailleurs dans quelques instants si mes souvenirs sont bons. Alors c'est peut-être pas tout de suite. Non, c'est pas tout de suite.
C'est plus tard dans la journée. Pour l'instant, il est que 1h de l'après-midi. Attendez, là, j'ai un petit doute. Je stresse, là, je stresse. Et ils commencent tous à s'exciter. Vraiment, ils ont la dalle. Ouais, il y en a, ils sont complètement conscients. Ils se sont pris des bifles. Des pings. Ils se sont pris des pings, en fait. En fait, ils ont morflé, en fait. Y a pas de miracle. Pas de secret. Ils se sont pris une bonne grosse torgnole dans la gueule. Ça les a calmés, hein. Bon, là, ça... Ah, oh. Alors ça, putain. Le truc épique. Deux mecs qui bastonnent un docteur qui est en train de se faire soigner par un autre docteur. Les types, ils ont vraiment du courage. Alors, les gardes se ramènent. Ils se prennent deux bastos dans la tronche. Et ils sont complètement dead. En plus, c'est parfait dans l'infirmerie. Ils peuvent se faire soigner directement. Par contre, là, c'est un petit peu la merde aussi. Notre ami James, là, qui pète un câble dans la salle des visites. Là, il sentait plus pété. Il avait envie de tout casser. Ben, hein. Il a mangé, le pauvre. Hein. Ah, il y en a vraiment. C'est pas ce qu'ils foutent. Là, le yard, ça me fait toujours flipper. Putain, je rechange en plus 1000 quantités. C'est vraiment la bouffe, c'est ma préoccupation principale. Hein. Vous voyez, j'ai remis en médium les deux variétés et quantités. Là, c'est le yard, faut faire gaffe. On sait jamais ce qui peut se passer dans le yard. Hein. Pas de mauvaise pensée, bien sûr. Mais il faut toujours être prudent. À chaque fois aussi, je regarde s'il n'y a pas d'autres décès. Et là, je viens de remarquer. Les caméras de sécurité sont buggées. Alors. Désolé, petite intrusion parentale non anticipée. Bref, je sais plus du tout ce que je disais. Fin du yard, c'est l'heure de bosser. Non, c'est parfait, putain, j'ai été complètement déstabilisé par ce petit incident. Et encore vraiment des bastons qui se déclenchent partout. Regardez, mais c'est vraiment les prisonniers à risque. Dès qu'il y a juste la moindre, ne serait-ce que la moindre occasion de péter la gueule à quelqu'un, eh ben ils y vont, hein, ils n'attendent pas. D'ailleurs, les solitaires sont très très bien utilisés en ce moment. Oh putain, le mec il avait une truelle. Ah non, c'est pas une truelle, non. Oui, pardon, voilà. Un mec qui creusait, notre cher Smith, qui creusait un tunnel sous ses chiottes. Ah, il avait du courage, le mec, hein. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? Explosion. À chaque fois. Putain, ça me fait stresser cette explosion. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est une station qui pète. Ah bah voilà. Un autre meurtre, deuxième meurtre. Voilà, on a encore tué un visiteur. Enfin une... Oh là là, deuxième cadavre. Et ça va réduire à fond ma valeur de prison, vous voyez. Ouais, moins 60 000, deux crimes, 440 000 dollars. Bon, ça va, c'est pas dramatique, mais voilà. Andrea, on va l'appeler Andrea. Andrea nous a quitté. Elle a l'air d'être aussi buggée que le vieux Michel là, le défunt Michel. Bon bah ils seront deux maintenant à errer sur les routes de la prison. Ils ont décidé de hanter à tout jamais la prison. Ils me franchaient jusqu'à la fin, hein. Pas de secret, et là c'est encore l'heure de la bouffe. Je comprends pas, hein. Les cuisiniers ils arrivent pas, enfin ils en chient un peu, hein. Alors, non, je pense pas que ce soit lié à leur nombre. Je vais encore ajouter des cuisinières. Bon, on va voir. En tout cas, pour l'instant, la prison, il y a assez de place pour que tout le monde puisse s'asseoir. Ça, déjà, hein, c'est rassurant. Oula, pardon. Oulala. Bien. J'ai une espèce de remontée chelou. Bon. On est déjà au 20... Enfin, on est au 26e jour, hein. C'est pas énorme, finalement. Je pensais qu'on avait passé beaucoup plus de temps sur cette prison, mais non. Non. Ça passe pas si vite que ça, hein. Voilà, ils ont du boulot, les cuisiniers. Ils vont devoir se taper tous les plateaux repas à nettoyer pendant que Reinhardt et l'autre se font choper avec des cuillères sur eux. Mais ça, bon, ce n'est plus un secret. On sait que le marché de la cuillère est en plein boom.
On va recevoir les pépettes très bientôt, les petites pépettes. Oui, 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 à minuit. Ici, j'avais même pas vu, j'ai même pas tité, mais j'ai refait la douche pendant que je parlais tout à l'heure, sûrement. Là, il y a un mec, il a pété un câble sur ses chiottes. Il les a complètement défoncés. Notre ami j'ai pas vu. J'ai pas eu le temps de voir, mais bon. Ok, alors la thune. Ouh, oui, pas mal. Ça m'a fait gagner du fric. Moins de 10 000, mais quand même. Hein. 8 000. En fait, j'avais pas compté les charges tout à l'heure. C'est pour ça que ça faisait un montant un petit peu assez conséquent. Eh, regardez-moi ça. Les deux morts. Regardez, ils sont beaux. Andrea et Michel, les défunts. Les visiteurs défunts seront là pour vous maudire à jamais. Oh là là, et ils seront ramenés continuellement à la morgue. Ah non, ils veulent pas se barrer. Hein. Ils ont pas l'air décidés, ils ont pas la foi. Ils ont pas la foi de se tirer. Donc, moi je vais en profiter pour rajouter des portes ici parce que j'avais complètement zappé. Et je vais bientôt rajouter des cellules aussi. D'autres cellules, comme ça sera fait, vous voyez. Des cellules sur le côté parce qu'il faut enfin qu'on termine ce putain de bloc qui est le bloc C. Non, si, bloc. Oui, parce que le premier bloc que j'ai fait, oui, en fait c'est de droite à gauche, oui, c'est pas de gauche à droite. Donc ça fait ABC. Celui du milieu c'est le bloc B et celui à gauche c'est le bloc C. Si je dis pas de conneries, plus les deux petites extensions juste devant, mais bon, ça on va pas vraiment les compter. D'ailleurs je vais redéfinir les patrouilles puisque c'est un petit peu sombre dans certains coins. Il faut qu'il y ait des gardes hein. D'autant plus que j'en ai juste 30 je sais pas combien et qu'il y a la moitié qui se touche voilà. Et moi voilà je les paye pas pour ce... Enfin vous avez compris quoi hein. Donc faut le faire des deux côtés bien évidemment parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Et les chiens aussi, il va falloir que j'en rachète. Mais bon, pour l'instant, on essaie de conserver un budget plutôt... Enfin, vraiment conséquent, puisque là, on a besoin de thunes. Allez, on place les gardes qui vont venir patrouiller automatiquement. Ok, c'est encore l'heure de la bouffe. C'est Sleep, Sleepy. Ah non, il est 6h, putain, je regardais pas au bon endroit. Le jour est déjà levé à 6h, d'accord. C'est le plein jour à 6h. Alors je crois que j'ai mis en médium la quantité là. Si mes souvenirs sont bons. J'espère qu'ils seront relativement satisfaits mes prisonniers parce que hein, c'est ma mission de les nourrir convenablement. Et là pour le coup y a quelques petits problèmes. Je vais rajouter une petite serving table pour voir si ça change quelque chose. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas assez de place pour tout poser hein, qui sait. Bon on va voir, on expérimente de toute façon. Et tant que la cuisine n'est pas complètement terminée, on pourra pas vraiment savoir. Déjà, je veux que la cuisine soit finie. Hein, si... Et on aura vraiment un aperçu global. Ah là, pourtant, ouais, non, ils posent la bouffe. La bouffe sera disponible pour les prisonniers. On va voir combien on va réussir à faire. Là, ils vont se doucher. Est-ce qu'ils utilisent les douches du milieu alors? Vu que tout à l'heure, j'ai remarqué que c'était pas considéré comme une douche. Eh non, c'est pas j'ai oublié de... Vous voyez, il y a que cette partie-là. Enfin, la partie gauche et la partie droite. Et celle du milieu, j'ai complètement oublié de la mid-shower. Contrairement à celle de la deuxième méga-shower. Bref, je ferai ça tout seul de mon côté. Hein. Ça n'a aucune importance. Ok. Alors, on va voir. Normalement, je crois que j'ai fait une bonne performance ce coup-ci. Durant ce petit déjeuner. Mais il est déjà 10h, putain. En fait, ouais, il bouffait à 9h. 40, ouais, c'est bon, c'est parfait. 50, déjà, si on passe la barre des 50, déjà, on peut qualifier cette perf de satisfaisante. Auto-saving. Bon, voilà, c'est pas optimal, mais bon, c'est déjà ça. Déjà, ça limite les dégâts. Le truc, c'est faut pas que, voilà, le danger augmente. Pour l'instant, il baisse. J'espère vraiment qu'ils vont pas me déclencher une émeute comme ça, intempestive là. Ils ont tous envie d'aller aux chiottes aussi. C'est un petit peu chelou. Alors je crois qu'ils ont du free time, oui. Ils ont voilà, ils ont la masse de free time. Le matin, de toute façon, c'est free time. Ils glandent de rien, les prisonniers, le matin, hein, à part aller se doucher, bouffer et encore bouffer.
Ben voilà, il faut que ça. Tac, tac, tac. Ici, je, ouais, je raccorde les cellules que je viens, enfin qui viennent d'être terminées. Ouais, c'est parfait. Là, on remet des gardes sur les patrouilles. Je check un peu. Ça faisait longtemps que j'avais pas checké les patrouilles. Bon, il y a pas vraiment de problème de ce côté-là. Il manquerait plus que ça. En tout cas, je la trouve vraiment sympa cette prison, hein. Là, on sent que y a de l'avancement. Voilà, on est plus à l'aise qu'avant. Et d'autant plus que je trouve que le design est vraiment sympa. Je le reprendrai peut-être. Enfin, je verrai. Je verrai. Je verrai. Pour l'instant, mon objectif, c'est d'agrandir la prison et d'atteindre les 200 prisonniers. Ce serait cool. Et aussi d'atteindre un budget par jour. Un bénéfice de 10 000 par jour. Ce serait aussi un objectif assez intéressant à accomplir. Alors, combien on fait là? 42, voilà, 50, c'est parfait. 60. Ouais, non, on va faire les 70. 70, 80 peut-être. Ouais, 80%. Ah, même pas. Ah, 79. Ah, les boules. Même pas 80%. Ah, je suis deg. En tout cas, on arrive bientôt à la fin de cet épisode. Bon, ça m'aura fait une petite expérience du commentary non direct. Voilà, ça... Bon, j'espère que ça ne se reproduira plus, ce petit incident Audacity complètement chiant. Je ne vous souhaite pas que ça vous arrive, hein. Décidément, je suis pas gâté, hein. En tout cas, c'est bientôt les vacances, ouais. Youhou, je vais avoir plein de temps. Je referai un live d'ailleurs. On m'avait demandé de commencer le premier épisode de Black and White sur un live. Bah, c'est sûrement ce que je vais faire. Peut-être pas vendredi prochain, mais dans le week-end, sûrement. Ouais, alors, je vais essayer de voir ça cette semaine. Et puis, ouais, dites-moi ça aussi dans les commentaires. Sur Facebook, sur Twitter. Voilà, si vous avez envie d'un live ou quelque chose comme ça. Puis, si vous avez des solutions pour les mods. Parce que là, je sens que ouais, ça va se faire sans mod. Hein. Vu comment j'arrive. J'en chie à mort, j'arrive pas du tout à les installer. Alors que c'est con, c'était juste les modes de tribu. Moi je pensais que voilà, c'est. Mais non, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Après, peut-être que c'est ma faute, mais bon, là j'ai lu attentivement le Redmi du mod. J'ai fait exactement ce qu'il disait. Non, ça ne marche pas. Et en attendant, on retrouve des scies et des drills sur les prisonniers. Avec une petite cuillère. Aussi, toujours. Toujours. Ah sinon c'est pas marrant s'il n'y a pas de cuillère là. Franchement, moi je dis où va le monde, hein. Faut forcément qu'il y ait un mec qui vole une cuillère. Bah oui. Bah oui, sinon je serais pas une prison, hein. Je serais pas dans Prison Architect là. Oh là là. Décidément. Chez jeune. Oh là là. Oh putain, en plus la performance juste désastreuse. Même pas 20% des prisonniers sont nourris. J'espère qu'ils ont fait des réserves là, hein. Puisque cette nuit, ils vont crever de faim. Clairement. Ils vont crever la dalle. D'ailleurs, moi aussi, je crève la dalle. C'est pas qu'il est 18h. Déjà ? Il est 18h. Ok, il est 18h. Le week-end est passé super vite. Bon, par contre, faut que je fasse gaffe. Que je regarde bien la fin de l'épisode et que j'arrête pas comme un con en continuant à parler. C'est vraiment con. Là je rajoute les capacitors, ouais voilà. Je rajoute les capacitors, je vais avoir les pépettes dans moins d'un quart d'heure. On va pouvoir séparer les deux circuits pour alimenter la nouvelle cuisine. Ok, 9000 de fric, c'est parfait. On va pouvoir se laisser là les amis. En tout cas j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime pour mon commentary non en direct. Pour cette performance de professionnel. Voilà, des petits commentaires sur Facebook et Twitter aussi, n'hésitez pas. En tout cas voilà, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, salut à tous.